Bah d'abord en 5 jours et 2 spectacles, puisque j'ai déjà joué 2 fois mon spectacle au Théâtre de Lille. Donc j'ai rencontré le public calédonien qui m'a fait un super accueil. Ça c'est extraordinaire. On a eu la chance de visiter des lieux magiques, à la fois au niveau des paysages comme l'île des Pins, le phare Amédée et puis le centre culturel Djibaou. Moi ce qu'on a appris c'est tout, puisqu'on n'en savait pas grand chose finalement de la Nouvelle-Calédonie. On savait que c'était très loin. l'île des Pins, pour être franc, c'est un des plus beaux endroits que j'ai vu de ma vie. On nous disait, vous allez voir, l'île des Pins, c'est magnifique, mais on ne pensait pas que ce serait à ce point-là. C'est sublime. Ah, j'adore les cadeaux, alors ça tombe bien. L'oiseau, le cocou, cagou. Oui, c'est le rouya. Bounia. Plongée masque tuba. Jean-Patrick approximatif. La grotte de la Reine Hortense. On a adoré ça. Le phare Amédée. Oh, un mug du tourisme. J'ai visité. Oh, le phare Amédée. Regardez. Tous les matins, je vais prendre mon café, je vais penser à vous. La Nouvelle-Calédonie, c'est No Filter. Cette eau que vous voyez, c'est la vraie. Cet acteur a été retouché, mais pas le paysage. Venez en Nouvelle-Calédonie, les amis, c'est une destination extraordinaire. Les paysages, la culture, l'accueil, c'est sudtourisme.nc. Voilà, c'est là, regardez.